I'm on my fifth roof, and my rinse too. Six and West roof, I can see it all. Hold on to my hand, that's my little dude. Look at Kenzo, swagging like his paw. Et là, je lui parlais justement de la technique, la règle des 3 secondes. Il y a beaucoup de gens qui me disent, mais ah, j'ai pas le courage, j'ai pas l'envie d'aller aborder. Il y a une technique qui s'appelle la règle des 3 secondes, je sais pas si vous la connaissez. Vous voyez une femme, vous avez 3 secondes pour l'aborder. Si vous ne le faites pas, qu'est-ce qui se passe? Vous allez vous dire, ah bah je suis pas assez beau, elle est mariée, je suis pas en forme. Bref, on s'invente des excuses, ouais. Des prétextes en permanence et au final, on ne fait rien. Donc en fait, il faut y aller. Donc vous comptez 1, vous voyez une nana qui est superbe à Paris, vous faites 1, 2 et vous y allez. Voilà. Après 3 secondes, c'est mort. Donc il vaut mieux y aller rapidement. Et une autre technique que je viens d'apprendre aussi à Julien, qui a inspiré la PNL, la programmation neurolinguistique, s'appelle la technique de l'ancrage. Alors, regardez bien, ma main est soignée, il y a un bracelet. Le bracelet, en fait, il permet d'associer l'idée au mouvement. L'idée, c'est, tiens, j'ai vu une fille qui est pas mal, et le mouvement, c'est, dès que je la vois, je retire mon bracelet, à ce moment-là, rapidement, voilà, et je m'engage, lorsque j'ai retiré ce bracelet, je m'engage à aller voir la personne. Donc, en fait, après, ton esprit, il est associé entre le psychisme et le physique, à ce réflexe presque de conditionnement mental en définitive. Donc ça s'appelle la technique du bracelet. Donc dès que tu retires ton bracelet, si demain tu n'as rien, j'ai pas le courage de le faire, tu retires ton bracelet, à ce moment-là, là, tu t'es engagé à le faire et donc tu y vas. Donc c'est une technique aussi pour donner du confort, de la volonté et puis un peu de motivation parce d'accord. que parfois on a un peu peur. Mais lui ça va, il n'a pas besoin d'arriver 3 secondes, il n'a pas besoin du bracelet, il y va direct, c'est un missile. Donc voilà. Et l'autre technique aussi, mais ça je dirai plus tard dans une autre vidéo, c'est la technique du journal. Mais ça, on verra ça plus tard. Peut-être que pour l'instant, on reste sur un truc très simple et basique. Mais là, on va repartir maintenant dans la rue. On a fait une petite pause et puis on va repartir à l'attaque. On est au métro Hôtel de Ville. J'espère que je ne prendrai pas une baffe. J'espère pas. Voilà, merci à tous pour avoir suivi ce petit tuto, tuto comment aborder une fille. Arrivez 3 secondes et n'oubliez pas également la technique du bracelet. Salut. Gave you the truth before I got a deal. No rabbit in a hat, it ain't no magic, ain't no Copperfield. More like a panther, Huey Newton, Bobby Seale. Word to the free lunch, who knew what we would become? Who would be defunct, which rumors would be debunked? Yeah, this is the music that you gotta feel.